HDI Global France est une filiale du groupe international HDI Global SE. Nous sommes présents en France depuis bientôt 20 ans et spécialisés en assurance des risques industriels, des entreprises du CAC 40 et des ETI. Dans le cadre de ses engagements pour le climat, HDI a souhaité participer à la création d'un outil innovant de mesure d'impact du changement climatique sur les entreprises. Il s'agit du projet OCARA, Operational Climate Adaptation Resilience Assessment, développé par Carbone 4, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. D'autres partenaires, tels que l'ADEME, le Bureau Veritas et la CCI du Grand Est, soutiennent également cette démarche. Les phénomènes naturels peuvent avoir de multiples conséquences sur l'activité industrielle. Des dommages directs, bris de machines, dégradation des stocks, ou des dommages indirects, par exemple l'interruption d'activité chez les fournisseurs. Ces dommages peuvent occasionner d'importantes pertes d'exploitation pour les entreprises et conduire à l'arrêt de leurs activités. Avec le changement climatique, les phénomènes naturels extrêmes deviennent dès aujourd'hui plus fréquents et plus intenses. Il est donc essentiel pour HDI Global d'innover pour mieux anticiper leurs conséquences sur les activités industrielles. HDI Global s'est ainsi investi dans le développement de la méthode d'analyse OCARA, avec deux principaux objectifs: améliorer la compréhension des conséquences du changement climatique et adapter sa démarche d'ingénierie prévention pour toute la chaîne d'activité des entreprises, approvisionnement, production, transport. OCARA vise à créer le référentiel pour analyser la résilience des entreprises à la dérive climatique. Donc à l'instar du bilan carbone, qui permet aux organisations d'évaluer leur vulnérabilité aux enjeux carbone, la méthode OCARA aidera les entreprises à questionner, identifier leur vulnérabilité climatique et à mettre en œuvre des actions de résilience. Concrètement, la méthode OCARA est construite sur la base d'une vision holistique des impacts. C'est-à-dire que la méthode vise autant l'analyse de la production industrielle des sites, mais également toutes les fonctions support essentielles, comme par exemple l'approvisionnement en électricité ou en eau. Et au total, ce sont plus de 120 processus critiques qui sont proposés à l'étude. En termes d'aléas, là encore, OCARA est assez exhaustive, puisque l'on propose une trentaine d'aléas climatiques, graduels ou extrêmes, comme les pics de chaleur ou les feux de forêt. Finalement, OCARA est au carrefour entre les plans de continuité d'activité et les analyses de vulnérabilité climatique. Pour les entreprises, OCARA offre trois contributions majeures. Une nomenclature adaptée des processus des organisations, un cadre d'analyse tourné vers l'action et enfin des outils d'application pour les non-experts. Et pour HDI, elle permet d'enrichir notre grille d'analyse des risques, tant au niveau des sites que des fonctions transverses. Elle nous permet in fine d'orienter nos actions pour aider les entreprises à développer une approche plus résiliente face à les dérives climatiques. De cette démarche OCARA, HDI a tiré des enseignements et va enrichir son offre de services en proposant des scénarios de sinistres climatiques différents, en intégrant des nouveaux périls tels que le stress thermique, hydrique par exemple, et en essayant d'inclure des effets de seuil et des combinaisons de conséquences des aléas climatiques. Le but final est de proposer à nos assurés des plans d'action en intégrant toutes ces composantes du changement climatique sans se limiter aux seules tempêtes et inondations.